J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a tout simplement décidé de vous parler d'un sujet un peu trop tabou. Et c'est vrai que personne n'en parle aujourd'hui et du coup on a décidé de vous en parler. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude les potes. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Et nous on vous dit bon visionnage. Alors tout simplement aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je pense que vous l'avez tous compris, je vais pas vous faire un dessin. On va parler de quand est-ce qu'il faut faire la première fois ou quoi. Alors avant de commencer justement, avant de partir sur un débat ou je sais pas quoi, déjà je tiens à préciser que sur cette vidéo tu n'apprendras rien. C'est une vidéo à titre humoristique, donc tout ce qui va être dit ne sera pas forcément vrai, ne sera pas forcément à prendre au pied de la lettre. On n'a jamais prétendu avec ma copine d'avoir la science infuse, d'avoir tout, des médecins, quoi, ouais, d'avoir toute la connaissance précise. Tout simplement, moi je tiendrai à commencer par le premier point. Alors déjà, ne regardez pas à droite ou à gauche qui a fait quoi, à quel âge, enfin qui a fait sa première fois, à quel âge tout simplement. Ça c'est pas en fonction d'un pote à vous ou d'une pote à vous que ça va se jouer. C'est pas une compétition en fait, c'est pas parce qu'un tel a fait sa chose que t'es pas obligé de faire ta chose. Quoi. En fait on sait, depuis le début, je sais pas si t'as remarqué, on parle d'un truc, mais on sait pas quoi, tu vois. De fesses. Bon, après ça déjà c'est le premier point, mais pour moi mon goût le plus important. Ouais. Parce que déjà, quand toi tu vas faire ta première fois, ça sera toi et toi, il y aura personne d'autre à ta place, il y aura pas ta mère à te dire bon bah là il faut que tu fasses comme ça pour un mec qui t'enfile ton voilà. Pour une meuf tu. Non, je rigole. Alors tout simplement, il faut baiser, c'est tout. C'est au revoir, fin de vidéo. Il y aura personne à votre place qui sera là à vous dire ouais, fais ci, fais ça, ou faut pas que tu fasses. Ah, attention. Non, ça sera toi et toi. Ça, c'est ta propre liberté, c'est ta propre conscience, que tu sois une fille ou que tu sois un mec, ou que tu sois d'une origine différente. Pas d'autre origine qu'un mec. Un animal. Oh oh. J'ai pas les moyens tu de vas racheter. Calmer, oui. Elle fait trop la folle, elle. N'écoute personne, ne prends les conseils de personne, surtout pas les nôtres. Ne prends pas les conseils de ta copine qui s'est fait tringler. Oui, je dis tringler. Tu sais, quand t'enfiles la tringle. Je disais, n'écoute pas ta pote qui s'est fait, voilà. Bon, on va pas dire les mots parce qu'après, YouTube, il va me... N'écoute jamais ta pote qui s'est fait, voilà, à 12 ans. Ça, c'est les expériences des autres... Ne tu sont, t'en fous. Ne sont limite, jamais bonnes si, à prendre, si franchement. Si t'as une personne à écouter, c'est ta mère et ton père. Non, voilà. Même pas. Enfin, ah bah si, ça dépend sur quel conseil. Mais j'ai juste envie de te dire un truc. Ouais, j'ai juste envie de te dire un truc. Les expériences de l'un et l'autre ne seront pas la même que la tienne. Mmh. Ta propre expérience que tu feras sur ta première fois. Putain, sur la carte SD, sa mère. Ta propre expérience que tu feras toi la première fois quand tu vas le faire, eh ben, ça ressemblera à aucune autre expérience que ta pote ou ton pote aura fait. C'est normal. Chaque individu dans ce monde est différent. Ne prends pas exemple sur un tel ou un tel. Un autre conseil aussi que j'aimerais bien vous donner. Sachez que, voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois ou non. Mais il y a quand même des limites, tu vois. Quand t'es encore dans ta période Barbie Pet Shop et tout le bordel, ouais, n'essaie pas trop, tu vois. Voilà, après voilà, il n'y a pas d'âge, forcément, comme Maval dit, je rejoins totalement son idée. C'est à dire que t'es. Enfin, je vais pas donner d'âge parce qu'après, il y en a, ils vont me dire. Ah, bah ça y est, c'est bon, on peut y aller. Voilà. Non, je donne pas d'âge, mais il n'y a pas d'âge. Pour vous ouais. donner un petit ordre d'idée, c'est à dire que tu peux être très jeune, tu peux être moins jeune, tu peux être vieux, tu peux être, vieux, tu peux être mort. Non, ah non, peut-être pas quand même. Tant que toi tu te sens, c'est bon. Mais dans une certaine limite. C'est-à-dire que quand t'es encore à l'école primaire, que voilà, vous parlez de Barbie avec tes copines dans la cour, ou que avec tes potes tu parles de Playmobil, non. Non. Reste avec tes Playmobil et tes voilà. Tu t'arrêtes. Ça par contre, c'est pas possible. Restez à votre place. Troisième chose, si vous venez à vous sentir prêt, soyez certain de la personne avec qui vous le faites. Parce que je sais qu'une première fois c'est très important, donc ne donnez pas votre virginité, en quelque sorte, à n'importe qui. Surtout pour les filles, après pour les gars. Vous risquez de le regretter plus tard. Mais c'est vrai qu'une fille c'est quand même précieux, et faites attention à vous, c'est très important, et protégez-vous surtout. Mmh. Ouais, déjà ça c'est important. Après les potes, voilà, on va pas trop vous donner de conseils, parce qu'on veut pas vous inciter non plus à... Ah, la chose quoi. Mais on sait aussi que notre communauté elle est jeune, donc voilà. Après parler de ça, je pense que c'est un sujet, comme on a dit au départ de la vidéo, que personne n'ose trop en parler, tu vois, genre enfin c'est rare qu'on aborde le sujet, enfin que j'aborde le sujet avec mes abonnés. Enfin ouais, c'est même pas rare, c'est jamais arrivé je crois. Ou alors peut-être. Sauf que vous êtes quand même très nombreux à nous demander, ouais. Machin, bon bref, je peux pas un dessin quoi. En fait voilà,
je pense que c'est un sujet tabou, mais nous on a voulu en parler quand même pour vous faire comprendre que au final les expériences des gens ou ce que vous entendez dire par-ci par-là ou ce que même vous pouvez regarder sur des écrans, ça n'a rien à voir, et surtout sur des écrans. Et je peux vous dire ça pour ça, moi je peux vous le dire, mais vraiment franchement sérieusement, là il n'y a pas d'humour dans ce que je vais vous dire, sur ce que vous pouvez voir sur les écrans ou machin, sur des films, enfin bref, je vais pas vous faire un dessin sur quel genre de film, mais ce que vous pouvez voir, c'est pas du tout attaché à la réalité. C'est-à-dire que faites-vous pas une image sur ça, faites-vous pas. Idéalisez pas trop le truc. Voilà, quoi. Prenez pas une confiance sur ça, prenez parce que voilà. Au final, ça sera pas du tout comme ça. Je me rends compte que dans la vidéo, on a fait que parler avec des sous-entendus. Mais voilà, on est un petit peu obligé, on va pas vous parler crûment, on n'a pas envie de choquer certains. Voilà, on n'a pas envie de rejeter une image de nous qui est pas celle qu'on est en fait au final. J'ai pas envie que ma communauté, elle me dise bah Auroro, t'as été comment dire, vulgaire dans la vidéo, alors qu'au final c'est une vidéo humoristique, c'est une vidéo qui est censée vous faire rire, c'est aussi une vidéo qui est censée vous sensibiliser un minimum aussi, parce qu'au final voilà, même si on rigole, on est là aussi pour parler de choses sérieuse au final. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura appris quelques trucs. Comme j'ai dit, ça va pas non plus vous enrichir des masses, ce genre de vidéo. Mais au moins, j'espère quand même que peut-être que ça vous aura ouvert les yeux sur certaines choses. Ne vous précipitez pas, protégez-vous si vraiment ça doit arriver. Prenez votre temps, c'est plus important, vous êtes encore jeune pour la plupart d'entre vous. C'est pas parce que votre copine l'a fait que t'es obligé de le faire, tu vois. Suivez pas les exemples, faites ce que votre cœur vous dit avec la bonne personne et voilà. Et dans des bonnes conditions. Et dans des bonnes conditions. Pas dans une cave. Pas dans un bois, tu vois. Pas dans une cave. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, les potes. Je sais que je vous fais chier avec ça à chaque fois, les potes, mais franchement, c'est très très important. Oubliez jamais de partager si vraiment notre contenu vous plaît. N'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres personnes. Ça peut également leur plaire ou leur déplaire, mais au moins qu'ils nous donnent des avis pour avoir au moins des avis, que ce soit positif ou négatif. C'est très très important, les potes, donc je compte sur vous pour partager cette vidéo sur tous vos réseaux. Comme vous le savez tous, on est tous les soirs en live et ce soir, c'est officiellement le live des 100 000 abonnés. On a eu quelques petits soucis hier soir parce qu'on ne pouvait pas live, mais ce soir, c'est officiellement le live des 100 000 abonnés. Donc on vous invite à venir, vous êtes tous invités et on va fêter ça dignement. Donc voilà, on vous attend très 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 nombreux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de ce qui se passe. Et nous, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.